Concernant la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif de surveillance est mis en place à la direction pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. A cet effet, le ministre de l'Éducation nationale avait adressé une correspondance au ministre des Forces armées pour la sécurisation du convoyage des épreuves au niveau déconcentré, les gouverneurs, en rapport avec les inspecteurs d'académie se chargeront de la sécurisation des centres, des personnels mobilisés, des épreuves et des feuilles de copie. La levée des épreuves s'est étalée sur une durée de huit jours, allant du lundi 3 au dimanche 10 juin 2024, avec une priorité accordée aux académies les plus éloignées de Dakar. Il faut se féliciter de la digitalisation sécurisée. De tout le processus d'organisation des examens à partir de cette année pour le CFE et pour le BFM, qui comporte beaucoup d'avantages, parmi lesquels la constitution d'une base de données numérisée accessible à temps réel pour tous les acteurs seront les niveaux de responsabilité. L'envoi des convocations et des résultats par SMS, on le faisait pour l'ensemble des concours, aujourd'hui il faut l'étendre pour le BFM et le CFE. Donc, on enverra les convocations par SMS et les résultats par SMS. Mesdames, Messieurs les journalistes, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Mustapha Mambagirassi, qui, a, qui nous a mis dans les conditions idoines et qui a mobilisé l'ensemble des moyens pour nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre nos objectifs.